ADEM 25 en direction de Brevodka, on va vérifier les champs. Ok, j'ai du monde dans le labo Iman. J'ai 3 personnes, un véhicule. On Je vous arrive. envoie la position. ADEM 25, on arrive en support des 18. Hein. Au pire, mets-le-moi direct, le labo Human, qu'on se rapproche. Ah, ok. Coordonnées envoyées. 42, on a bien reçu, j'ai mis le position sur le GPS, on est là dans 2 km 700. Ok, 10-4, je me suis positionné devant les entrées au cas où. Ok, 10-4. Et du coup, je sais pas si vous connaissez un peu le labo Iman, ils sont pas côté droite mais ils sont côté gauche où il y a les deux portes qui s'ouvrent. On peut même Affirmatif. tout visiter après dedans. Il y avait un véhicule et 3 personnes sûres. Après, je sais pas plus. Ouais, prends pas tout de risque, hein. Non, 25 t'inquiète, il arrive. j'attends. J'attends l'extérieur en barrage. T'as une arme à feu au cas où? Moi j'ai le taser mais je resterai en retrait. Ok, ouais. Comme ça, au pire, s'il faut, tu fais un appel à l'SPD si tu vois qu'on est dans la merde. Ouais, si je vous le dis dans la radio, là je les contacte de suite. Ouais. Et je crois qu'ils ont pas fait gaffe hein, que j'étais là. Pourtant, j'ai ouvert les portes. Ils ont dû pas voir, ils ont dû croire que c'est. Ah, nickel. Ok. Comment on fait? Bah de toute manière, Bloc. par contre faudrait mettre des herses ici une fois qu'on est passé. Bah vas-y, tu fais ça, 42. Ok, je te laisse la voiture, je monte avec Ouais, 18. il a juste à mettre une herse ici et une herse à gauche et hop. T'en mets une seule de chaque côté, ça va le faire. On va attendre qu'il les mette comme ça au moins. Qu'est-ce qu'ils foutent là? C'est une propriété privée, ils ont Okay. en pleine nuit. Bonne question. De toute façon, là, on peut les arrêter pour propriété privée s'ils ont rien à se reprocher. À part ça, Ouais, c'est une clair. petite amende, je sais pas laquelle, on verra. Il y en a une. Ok, il en a posé Le une. premier S, il peut y poser. Nickel, pose la deuxième. Pose là où on est, là, tu sais, vers la barrière. Ouais, devant notre véhicule. Ouais. Ouais, il faudrait que j'avance un peu. Bah laisse le véhicule peut-être dehors toi. Ouais, laisse le Ouais, laisse le véhicule là, véhicule mets-le là, dans mets-le l'autre dans l'autre sens, sens, prêt prêt à à partir partir au au cas cas où. où. Ouais. Ouais, voilà. Fais juste gaffe aux herses. Allez, vas-y, mets la herse et prêt à Prêt à partir. partir. S'il y a un S'il y a un véhicule véhicule qui qui nous nous échappe, échappe, au au pire, pire, t'essaie de le essaie de le suivre pour suivre nous pour nous donner les donner les indications. indications. Ok. Allez, Ouais, c'est tout bon, c'est posé. nickel. Faudra faire attention, vous, quand vous pâtez. Hein. Ouais. Après, ils sont trois, faut qu'on fasse gaffe. Hein. Qu'est-ce qu'on fait là du coup? Avance Avance doucement. doucement. J'ai caché le véhicule à la sortie de la droite derrière le muret, comme ça il me voit pas. Escate. Et tu vas voir là, ils sont pile dedans. Vas-y, on descend. On triangule. Wow. Ils sont armés, ils sont armés. Demande du soutien, Will Speedy, Ça, soutien, pour Will les Speedy. Speedy. Attends, je suis pas dedans, soutien, Will Speedy. Ouais, c'est fait. Vas-y, Tu pars. descends, tu descends. Levez ses os pour Will Speedy.
Allez, la spécifique pour passer à soi. On a besoin d'aide. Sors, on a besoin de soutien. Il y a personne. Il y a personne. On a personne de disponible. Ah ben, est-ce que le problème, on a 3 personnes mais au laboratoire humain, ils sont en train de prendre mon équipe à OV. On vous envoie quelqu'un dès que possible, mais pour l'instant c'est impossible. Ok, bien pris. Le LSPD nous envoie une patrouille le plus vite possible, mais pour l'instant ils ont personne de disponible. Non, demande, dis qu'il y a urgence. Urgence absolue. Ouais, j'ai dit, il y avait urgence. J'ai dit, bah, tu peux me buter, vas-y, finis-moi. Finis-moi ou je tire. Lâche ton arme. C'est ça pour LSPD, il y a okay. Des échanges de coups de feu. C'est bien pris. Putain, je les entendais pas, ils disaient quoi? Je sais pas, le mec il est arrivé sur nous, une arme pointée sur nous, je l'ai allumé. Tu l'as vu comme moi, le mec qui s'est approché de nous et qui pointait une arme sur nous. Et je sais pas ce qu'il voulait. Wow. Ouais, à la limite, moi je vous conseillerais de sortir du bâtiment là. Non, non, ils ont crevé notre pneu, ils ont crevé nos deux pneus, ouais. On peut pas sortir, on est coincé. Ou au pire, faut que tu enlèves les herses et tu viens nous chercher. T'enlèves une herse et tu viens nous chercher. On a abattu un des leurs. Il en reste deux à l'intérieur. Putain, je pourrais courir et aller ouais, en face là. Là j'arrive. Je vous sors de là. Là, la speed arrive. Là, ils ont dit quand il y a quelqu'un qui arrive. Ok. Vous êtes situé où là, que je sache où je veux venir. Quand tu rentres, c'est à gauche. Et t'avances et tu verras dans le croisement. Derrière une barrière. Plus à droite, faut que t'ailles du côté route. On te voit, mais on est de l'autre côté, ouais. Faut que t'ailles sur le chemin à droite. On est pile en face là, merde. Arrête-toi, elle là. Ok, rapproche-toi. Ouais, vous êtes où là? On est juste de l'autre côté de la barrière. Bloque ton véhicule au mieux, peut-être. Et on va attendre la SPD. Hein. Ouais, on attend la SPD. Le mec, en fait, on est arrivé quand ça s'est enlevé. Ok, ils ont. Et je vais aller négocier. Ils ont un otage. Je vais négocier. Fais gaffe que c'est pas un leader. Parce que je les ai vus à 3 tout à l'heure. Ouais, je vais aller négocier avec eux. Ouais, c'est bizarre. On devrait attendre la LSPD. Parce que c'est bizarrement. Restez là, les gars. Vous restez là, vous avancez pas. Je leur dis qu'on va négocier. Je les aime pas du tout. Moi non plus. Demande à l'SPD dans combien de temps ils arrivent. BCSO pour l'SPD, c'est une prise d'otage, un des leurs a été abattu. Hein. Où est-ce que vous en êtes? Bonjour monsieur. C'est bien. Vous m'entendez? Malheureusement, on a vraiment personne de disponible. Ok. Oui, je vous entends. Ouais, il y a personne. Hein. Okay, comme vous le voyez, j'ai les mains levées, je suis pas armé. Par contre, j'ai du soutien derrière moi, on est là pour discuter calmement. Alors. Qu'est-ce que vous faites là avec cette personne et en l'occurrence cet otage? L'homme par terre devant notre voiture? Ouais, c'est une personne qui a foncé sur nous avec une arme de poing et qui a tiré sur notre véhicule, donc on s'est défendu en légitime défense, monsieur. Son état, il est actuellement inconscient, monsieur. Encore monsieur, on a appelé du soutien, mais on appellera l'hôpital. Ouais, on appellera l'hôpital que si on sait qu'ils se feront pas tirer dessus en arrivant. Très bien. Par contre, en échange, voilà. Non mais je suis là pour négocier, monsieur. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'y ait pas plus de sang qui coule. Ok.
Donc, en échange, vous avez, c'est quoi votre situation là? Vous avez combien de personnes? Vous avez combien d'otages? Donnez-moi un petit peu. Vous avez 2 otages. Très bien. Vous êtes... Allez-y. Ouais, je vois. Ouais, je vois. Là, on est déjà un petit nombre, il y a du renfort qui arrive. Vos possibilités, c'est que pour qu'on s'occupe bien de la personne qui est au sol, et que vous montriez que vous êtes prêt à négocier, on va libérer de votre côté un otage, nous on soigne votre homme, et vous, vous restez avec un otage pour assurer vos arrières. Ouais. 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 Négatif. Négatif, négatif. C'est pas dans ce sens-là que ça marche. C'est pas on vous rend une personne et vous rend un otage. L'otage, il est la personne qui a derrière nous, elle est déjà entre nos mains, monsieur. Vous n'êtes pas en situation de négocier deux otages, monsieur. C'est pas possible. Non, là vous n'êtes pas en position de force, là vous êtes tout seul. À tout moment, on a des personnes qui sont positionnées derrière au cas où. Et qui pourraient vous abattre. Donc vous n'êtes pas en positionnement de force. Là, on a des agents qui sont là. À tout moment, on pourrait vous abattre. C'est pas notre volonté, monsieur. Nous, on veut que ça s'en sorte sans effusion de sang. CBCSO et les Speedy, toujours pas de nouvelles. Donc, la première chose qu'on vous demande pour montrer que ça va bien se passer et pour montrer que vous êtes prêt à faire un geste et qu'on puisse se séparer sans qu'il y ait plus de sang, c'est on soigne votre ami pour assurer qu'il aille bien et vous, vous lâchez le premier otage et vous restez avec un otage pour assurer votre sécurité. Après, on va tranquillement se trouver un moyen pour que vous puissiez partir et qu'on s'assure que le deuxième otage aille bien. Ouais, pas de tout, 18 ans. 14. Très bien, et vous savez quoi? Pendant ce temps-là, moi je vais tranquillement appeler pour qu'on soit sûr qu'il y ait des urgences qui soient disponibles et on va mettre des compresses pour que votre ami ne saigne pas et qu'on assure sa sécurité. C'est le premier pas que je fais avec vous, d'accord? Très bien. Les gars, vous m'avez entendu, vous faites un appel et l'SMS et vous leur demandez de se mettre à la sortie du Human sans gyrophare qu'ils entendent pas arriver. Nous, pendant ce temps-là, moi, je vais poser des compresses, enfin, je vais poser ce qu'il faut sur le gars pour l'empêcher de saigner. Ok, 10, 4, ok, dis-leur bien qu'il y a des airs avant de rentrer, qu'on les enlève. BCSO pour l'SMS. Ouais, monsieur, je vais faire des compresses pour vous arrêter le saignement, vous inquiétez pas, j'ai une formation au premier secours. Tout va bien se passer, monsieur. 25, on t'entend en écho. Allez, hop. Allez, ok, il a pris une balle ici. SMS. So, j'écoute. On aurait besoin de vous pour un blessé pas balle à l'humaine laboratoire. Oui, vous pouvez m'envoyer les coordonnées, s'il vous plaît. Je vous les envoie, par contre, il faudra arriver sans sirène et vous allaiter devant, parce que la zone est à risque. D'accord, ok, Marley. Je t'envoie les coordonnées. Ouais, pas de soucis. Confirmation de Toluc SEU. Yes. Marley, du coup, vu que c'était Hers. Bien réceptionné. Ok, ça marche. Bon, vous arrivez sur les trucs et vous faites attention, il y a des S à l'entrée. Mais ne venez pas avec les gyrophares. Vu qu'il y a des Hers, Marley, fais soit tu cours jusqu'à là-bas, soit tu prends Ouais, vaut mieux. Ouais. Et tu les attends et quand ils arrivent, après tu les repasses derrière. Je vais juste décaler le véhicule vers toi, 25. Je retente des appels et les speedy en attendant. Vas-y, vas-y. BCSO pour les speedy.
Est-ce que je place les deux S ou pas? Après qu'ils soient passés, oui. Ouais, c'est bien plié. T'as réussi à lui faire une compresse? Ouais, c'est bon, je la compresse. Ok. Du coup, ils veulent quoi? Ils veulent récupérer cet homme, je suppose, et un échange d'un otage. Mais la speedy à BCSO. BCSO, j'écoute. Oh, on m'a prévenu que vous avez besoin de tête. Apparemment. Oui, nous avons une prise d'otage en direct du laboratoire Lumen. Il y a eu des échanges de coupures, on a un individu à terre et ils ont fait une prise d'otage avec deux otages à l'intérieur. Après, la prise d'otage est toujours en cours. La prise d'otage est toujours en cours. Après, on va envoyer une unité pour renfort. 10-4. User left your channel. Ah, nickel. Ouais, par contre, une unité là, je sais pas si. On verra. Et t'as su pourquoi ils ont fait une prise d'otage 25? Négatif, il m'a demandé d'attendre 2 minutes. D'ailleurs, je vais retourner vers lui pour l'instant. Il faudrait que 42 vienne tenir la compresse que j'ai posée. Ouais. BCMC, le SMS, là, je l'ai fait rentrer avec l'ambulance. Négatif, 42, on a besoin de toi. Faut que je retourne prendre la suite de la négociation. Faut qu'il rentre à pied. Pour l'instant, ouais. Il rentre pas. Faut que tu rentres à pied et faut que tu viennes tenir la compresse que j'ai posée sur le gars. Ouais. Et au pire, eux, ils rentrent à pied, ils prennent leur kit et hop. Ouais, au pire, ils rentrent. Non, ils rentrent pas à pied pour l'instant, juste de leur demander d'attendre 2 minutes. Ouais, je l'ai dit. BCSO, vous pouvez les SMS. SMS, j'écoute. Quand vous allez. Vas-y, tiens, c'est mon truc. Tiens, à l'entrée du véhicule, vous ne rentrez pas. Merci. Ok, tiens, vas-y. Appuie sur sa compresse au cas où. Je vais surveiller. C'est quand même chelou. Tu trouves pas, Marley? Oui, c'est bizarre. Une prise d'otage. Alors qu'ils. Bon, ils ont rien. Ils n'ont pas annoncé, mais. Bon, en espérant là, que le monsieur il va pas nous clamser dans les doigts. Ouais, on va espérer. De toute façon, les urgents, ils arrivent. Ouais. Par contre, du coup, quand ils arrivent et ils vont le soigner, je le braque et tu le melottes direct. Et après, on effectue. Quand même, avis, le melottage. À mon avis, là, avec tous les trous qu'il a dans le corps, il va pas aller loin. Hein. Mais vaut mieux au cas où quand même. On verra avec les SMS ce qu'ils vont dire. Ah ouais, il faut aller. Speedy pour BCSO. Ah oui, dis-leur qu'il y a des airs pour les Speedy. BCSO, j'écoute. On vous envoie une unité. Très bien, c'est gentil. Vous ferez attention, la sortie du laboratoire, il y a une S posée. Donc il faut prendre l'antenne de droite. C'est bien pris. Et nous sommes situés sur la gauche du laboratoire, tout au fond. Bon. Ça serait bien que ça se termine bien. Ouais, j'espère qu'on va pas partir bododouille encore. Ah bah j'espère pas. Hein. Ouais, tu vas voir là, je vais passer major radio. Ah bah clairement là. Ah mais c'est bien comme ça t'entraîne. Ouais, mais les codes là, je suis le seul à les faire. Ouais, bah je sais bien. Tant qu'ils sont faits par toi, c'est nickel. Ouais, je me demande là si on ferait pas de lui retirer la cagoule là pour voir son état. BCSO, je suis devant au niveau des barrières. BCSO, c'est bien pris, vous attendez, on viendra vous chercher. Vous envoyez un merci. Point sur l'endroit où vous êtes. BCSO, vas-y, je vais appuyer. Ouais, vas-y. Va aller chercher. Parce que vaut mieux le faire urgence, quand on sait jamais s'il nous clame dans les bras, tu vois.
Ouais, attends. Le CSO pour les crédits confirmer la réception des coordonnées. Bien reçu. Ok, 10-4. Ouais, je vais la chercher là et je la fais venir quoi, en ambulance ou je la fais couler sur le long fais la venir comme en ambulance au cas où. Mais qu'est-ce qu'elle se garde derrière nous, on va dire. Ouais, ça marche. De 25, faites rentrer l'ambulance pour qu'il soigne son collègue. On va faire un échange du collègue versus un otage. 10-4. Et la LSPD arrive. BCSO pour LSPD, vous m'entendez? Oui, je t'entends. Ouais, on va pas avoir le choix. On va devoir faire un échange. Donc, un des deux mecs, enfin, le mec qui a été blessé contre un otage. Ce qui va leur laisser un otage et deux gars. Donc, ce que je vous propose, c'est d'essayer de vous positionner au niveau des sorties de. Au niveau de la sortie, il n'y a qu'une sortie, hein, une grosse route sur, du côté de Human. Donc, je vous propose de vous positionner à des points stratégiques pour essayer de les prendre en filature une fois qu'ils auront relâché l'otage. Puisqu'ils n'auront plus qu'un seul otage. Après, il faut voir s'il puisse partir, hein, cet homme. Parce que si les SMS disent qu'il faut l'emmener à l'hôpital, ça va poser le souci, là. Je pense que dans tous les cas, ils voudront pas qu'il... Dans tous les cas, ils voudront pas qu'il aille à l'hôpital. Ils voudront juste qu'il soit soigné et qu'il ait tout ce qu'il faut pour qu'il se repose sur place. Enfin, pour qu'il retourne vers son collègue. Par contre, ils sont comment, les autres otages? Que j'arrive pas trop à les voir d'ici. C'est deux mecs... Deux mecs typés black, rien de particulier quoi. D'accord. Ouais Kelly, il est blessé, multiples blessures par balle. Je pense qu'il va falloir que tu fasses le nécessaire pour le stabiliser parce que le mec là-bas veut qu'on échange le gars contre son otage. Donc on aurait besoin qu'il soit réanimé et stabilisé. Et okay. Tant pis, on va leur rendre. Même si le mec il claque dans 3 heures, c'est tu pas sais, notre problème. Où est-ce qu'il a reçu les balles à peu près là? Il y en a une au niveau du ventre et une au niveau de la jambe. Ok, attends. Chercher de quoi faire pour la jambe au niveau du ventre, j'ai fait ce qu'il faut. Aïe, juste un instant. Je vais faire un garrot pour la jambe. Va falloir juste reculer un tout petit peu, si possible. Ouais. Tu sais combien il y a d'unités qui va arriver là? Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Ok. On a vérifié là que l'individu là qui est au sol, il a plus d'âme. Faut attendre qu'il se relève. Oui, j'écoute. Ouais, mais relotis lui des mains au cas où là, qu'il a plein de pain, elle est en otage. Ok, bah visiblement il est pas inconscient, mais il semble m'écouter ou alors je sais pas ce qu'il fait. Ok, bon, on va faire notre maximum. Le principal, c'est qu'on arrive à récupérer le dernier otage qui reste. Bon, je lui ai mis un garrot pour la jambe, ça peut tenir environ 30 minutes, mais pour le ventre, ça risque d'être urgent quand même. Ouais, bon, on se doute bien, mais ils veulent absolument récupérer et envoyer. Ouais, je vois ça. Je vais l'accompagner quand il sera en état, et je porterai la personne, enfin, je l'aiderai à marcher jusque là-bas, et je le préviendrai que sans soin poussé, il risque d'y rester. C'est ça. Au bout de combien de temps il pourrait y rester s'il ne se fait pas bien soigner? Là, vous avez 30 minutes. 30 minutes, ah ouais. Un peu plus de 30 minutes quand même. Tu leur dis mais bien, le garrot, c'est 30 minutes, généralement. Okay. Ouais, en plus, il va faire des efforts pour marcher, c'est pas bon en plus. Ouais, ça en plus. Je lui ai mis un maximum de compresseur du ventre, mais bon, ça craint quoi. Bon, du coup, 25, faut que tu essaies de bien leur faire comprendre que sa vie est en danger, tu vois. Est-ce que vous pouvez essayer de reculer quand même un tout petit peu, faire un petit effort quand même? Là, c'est bon là. Ouais, je vais quand même vérifier. Ok, c'est bon. Allez. Je vais faire les premiers soins tout de même. Et je vais voir au niveau du ventre. Allez, c'est pas le moment de flancher.
Speedy BCSO. Je vais redonner un peu de rain. BCSO, j'écoute. Ils vont partir à quel style de véhicule? Je vous donne l'information dès que j'aurai fait l'aller-retour. J'ai pas le véhicule en vue pour l'instant. De rien. Je crois que c'est une style berline noire. De toute façon, il y aura qu'un seul véhicule qui va sortir. Ok. J'ai mis un maximum de compresse du coup au ventre. Nickel. Ouais, tu lui mets le maximum là de spaladra là autour là et. Par contre, 25. Bon, les médicaments mettent du temps à agir donc. Pas de soucis, hein, vous inquiétez pas. Il va falloir patienter. 25, tu trouves pas bizarre, parce qu'avec Marley on trouve bizarre qu'il y ait une prise d'otage comme ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi quand je suis arrivé, ils étaient tranquilles. Hein. Ouais, ils étaient trois en train de parler tranquille. On a pas assez d'informations, je sais pas, moi aussi je trouve ça bizarre, mais je sais pas, on est obligé de faire avec pour l'instant. Ouais, bah ouais. Mais par contre, si on récupère un otage, faut faire gaffe, faut le fouiller clairement. Nous sommes en véhicule bonheur, on sait jamais. Réquisitionné. Type fusillade, trois portes. Parce que pour moi c'est bizarre. Ouais, couleur noire. Bien reçu, on vous donnera un maximum d'informations. Une biscotte. 42, tu lâches la scène, tu vas te mettre sur une position élevée pour donner un maximum d'informations au, pour donner un maximum d'informations au LSPD quand la véhicule va partir pour leur donner la direction. Ouais, je monte. Trouve un point élevé qui donne sur la fin de la route, qui donne là où ils vont partir et leur donner la direction avec des jumelles, ok? D'accord, là, je peux prendre la route et je monterai un peu dans la montagne. Ouais, vas-y, fonce. Je vais pas tirer avec le LSMS. Ouais, allez, ouais. Dès que le mec s'est relevé, ouais, il part avec le SMS, c'est bien. Comme ça, tu déposes. Au moins, je sais que le SMS, il est en sécurité. Je sais que t'as des bons points dans les montagnes ou quoi. Ça peut être sympa, enfin, tu verras. Et c'est toujours le noix là qui est pas loin. Bah, après, là, généralement, dans les films d'horreur, c'est toujours. Et raconte pas les bêtises. Hein. Non, ça va bien se passer là, nickel. Ça va le faire. Là, tu sais, je t'ai dit, je protège Kelly avant tout. Bah oui, en plus. T'arrives à le réanimer, Kelly? Ça prend du temps, ça prend du temps. Et dès qu'il se sentira prêt à se lever, il réagira tout seul. Ah bah... Ok. Ouais, par contre, là, il va falloir... Tu lui as l'outilé des lames des mains, hein, 18. Ouais, bah on peut pas vraiment, mais je vais lui faire... Non, on peut pas, on peut pas. On le ramène sans armes. Hein. Est-ce qu'on le démasquerait pas? Négatif, on prend des risques avec l'otage. Ouais. Si on le démasque. Par contre, l'autre, son pote l'a appelé Vito. Vito, ok. Ouais. C'est à noter. Je note ça sur mon téléphone, on sait jamais. Je fais un aller-retour pour rassurer la personne pour dire qu'on est en train de soigner. Ok, Vito, c'est noté. Ça, c'était à cause du sang qu'il a perdu, peut-être qu'il a du mal à se réveiller. Ouais, c'est tout à fait normal. Est-ce que vous m'entendez, monsieur? Vous m'entendez? Ok. Ça met un peu de temps. Très bien. Un peu de problème. Alors, cette personne est en train d'être soignée. Le LSMS fait tout ce qu'ils peuvent. Ça prend un petit peu de temps, mais on y est pour rien. Voilà, c'est le temps que le LSMS met à soigner votre compagnie. On peut pas faire plus vite, j'en suis navré. Le SMS fait son maximum pour stabiliser. SMS pour les SPD, actuellement je suis en intervention assez urgente, je pourrais pas venir très bien. Au moins avant 20 minutes. Je reviendrai pour soutenir votre compagnon, pour vous le ramener, je repartirai avec un otage, on est d'accord? Très bien. Très bien, à tout de suite. Ok, du coup. Ok, il est conscient qu'on donne notre max pour le relever. Ok, nickel. Et t'as vu le véhicule pour la LSPD? Ah merde, non, je vais pas regarder, je suis con. Non, mais c'est pas, de toute façon, je dois accompagner le mec, donc faudra que. Bah. Après, je sais que c'est un véhicule noir, on dirait un berline, j'ai mal vu. Genre berline noire, mais c'était de loin. Non. Et oublie pas de leur dire que clairement, il peut mourir au bout de 30 minutes. Hein, si... Ouais. Il a besoin de soins urgents, clairement. Plus approfondis. Là, ça va être des soins basiques, mais... Bah, des stabilisations, quoi. Voilà, c'est ça, on peut pas faire ça sur place.
Elle a ce qu'il faut, mais pas assez, on va dire. Du coup, ouais, j'ai noté le nom que t'as dit, comme ça au moins je l'ai envoyé, on sait jamais. Je m'écarte un peu au cas où ils viennent à entendre pour parler au LSPD. On sait jamais, des fois qu'il recouvre sa conscience. Ouais. BCSO pour LSPD, l'échange entre l'otage et un des deux bandits va avoir lieu, donc ça devrait enchaîner. Non, ça doit être vraiment beaucoup de temps. Dans moins de 10 minutes merde. Avec le départ des. Bon, après, pour nous, ouais, c'est pas top là. Ouais, je vous avoue que ce soir ça tombe vraiment mal. Hey, j'espère qu'il a pas clamé. Je pense que c'est les médicaments, ils ont une date, ils sont un peu mal faits, on va dire ce soir. Ah ouais. Il s'agit pas vraiment assez vite. Tellement. Le problème c'est que s'il s'agit pas dans les temps. Ah bah, force, il va partir au ciel, hein. Ah, l'unité X, ou je sais pas ce qui va se passer pour lui, mais. Ouais. Ok, va falloir trouver une façon de négocier. Voilà, ça va compliquer les choses si c'est l'unité X qui l'emmène directement. Ouais, va falloir que vous déployiez une unité à l'hôpital par contre. Ouais. Alors, comment je pourrais négocier ça? Négocier que c'est l'unité X qui le récupère, que l'unité X est indépendante et que dans tous les cas, eh bien, sur une récupération de l'unité X, nous, on n'agira pas. Et donc, lui donner la preuve qu'il est parti. C'est trop compliqué. Vous lui précisez si c'est juste que nos médicaments ont un souci ce soir et que c'est pas effet immédiat et que visiblement il les supporte pas. Et qu'on doit l'emmener en état d'urgence à l'hôpital. Et ouais. Et je pense que s'ils sont pas trop cons, ils comprendront. Ouais, que sinon, bah, ils risquent de mourir. L'ampleur des dégâts. Voilà, c'est ça. Ils risquent de perdre leur gars. Ok, je vais négocier le fait que les caméras. Enfin, que rien ne sera utilisé contre eux et que les caméras seront pas utilisables à l'hôpital et qu'il pourra sortir de l'hôpital en toute discrétion. Je vois que ça. Et donc, il lâche un otage et qu'il part avec l'autre otage. Voilà. Et regarde bien le véhicule. Hein. Ouais. Oui, ça commence à être complexe. Hein. Ouais. Ouais. Après, il y a qu'un. Oh, putain, c'est chelou. Je saurais pas dire si. Ouais, c'est bizarre. Ouais, si du tout, t'as dit, ils étaient tout loin de la jambe 4. Hein. Bah ouais, c'est ça qui est chelou. Après, bon, peut-être ils sont bien pris en otage, mais. C'est sûr, il y en a trois, ils étaient tranquilles en train de parler ensemble. Ouais, j'ai pas vu que je suis passé à fond, que je les ai vus tous avec des armes, tu vois. Ouais, t'as pas vu les tenues, quoi. C'est ça. Sûr, j'ai vu trois personnes normales. Après, c'est ça le truc. Est-ce qu'il ferait pas ça pour faire de ses diversions et essayer de s'en sortir au moins quelques-uns? Oui, je pense. Hein. C'est jamais. Hein. Bon, déjà, on a un nom. Je sais pas s'il existe, hein, si c'est un pseudonyme ou quoi. Ouais, mais Vito, là, ça fait un peu, tu sais, les noms des parrains, des trucs comme ça, là, les trucs italiens, espagnols, les trucs comme ça. On verra. On fera une recherche dans le registre. Ouais, il faudrait la voir avec la LSPD s'ils ont pas un Vito aussi. Ouais, bah ouais. Putain, c'est dommage que le médicament il fonctionne pas là ce soir. Ouais, je veux pas dire pardon. Même quand vous prenez un gros défibrillateur, ça veut pas. Non, même ça. Et si on le tase, peut-être son cœur il repartira. Non plus, je pense pas. Au contraire, je pense que là vous allez vraiment le mettre KO. Ah ouais, merde. Non, mais c'est surtout un bon nombre de médicaments qui vont devoir être envoyés là. Ah bah, clairement. En plus, là, avec 69, on disait là en ce moment c'est calme. C'est ça, on est cool. Ben, regarde, hein, toujours les mêmes. Hein, c'est clair. Toujours les mêmes, nous. On tombe sur les mêmes. Ouais, mais là, il faut ils vont voir. J'ai laissé vital. Nos rapports, ils vont être bien là. Ils vont kiffer. Bah demain, je parlerai au shérif pour
essayer de voir pour que tu passes quand même un grade, parce que il y a le 23 qui arrive avant toi, et enfin après toi, il est déjà major. Quoi, 23, il est déjà Et major? ouais, 23 il est déjà major, j'ai vu ça hier. J'ai Mais c'est quoi halluciné. ces conneries Bah là? je sais pas, c'est le Mais shérif qui me l'a mis. ça fait 2 Parce que jours déjà. moi je l'ai vu, j'ai fait bah dis donc t'as oublié ton gilet, il me fait non, le shérif m'a promu major. J'ai fait ok. Ouais, c'est quoi ces conneries Bah là? clairement, c'est pour ça je verrai demain avec le shérif pour que toi tu passes, hein, clairement, parce que depuis que t'es là et tout le boulot que t'as fait. Eh, peut-être là, moi, il va de suite me mettre capolal là. En plus, t'as battu un jaguar. Hein. Grave en Ouais, j'ai plus. battu un jaguar là, j'ai fait des Ouais, il est gros top splits, j'ai fait Instagram tout. encore en plus. Ouais. Et ça, c'est le charisme du Jamaïque. Ah bah clairement. T'as vu l'article que je t'ai envoyé la dernière Ouais, j'ai vu ça là, fois? franchement. Non, Ouais, c'est mais pour par ça. contre, là, c'est. Hey, je pense que Ventro, là, il est surtout passé sous le bureau. Ouais, il a pompé tout le monde lui. On avait des doutes à la base sur le caporal et 96, mais en fait c'est 23. Ouais, ils espèrent, c'est pas trop copain-copain. Sinon, là, ça va pas le Ouais, faire. bah ouais. Attends, nous on a la première session, on est tous passés après 2 semaines de recrutement, on va dire. Ouais, lui, 3 jours, là. Ouais, 3 jours. Ouais, il faudrait, je parle avec 69, là, faut savoir c'est Ah, quoi ces ça conneries. y est, il est parti. Oh, punaise. Ouais. Donc, ouais, 20, Kelly, mets-toi 25, couvert. il est parti unité X, ça y est. Ok, vous, je 42, tu vas le récupérer à l'hôpital et on va faire l'échange comme si on l'avait relevé, comme si on avait pu le réanimer ici. Très bien? D'accord, mais je pars avec une voiture de chez nous ou avec Pas avec l'ambulance? le Kelly, Au peut-être. pire, pars avec l'ambulance et réquisitionne une voiture sur place. Hein? Ok, c'est bien, please, 4. Bon, allez, Kelly, là, Voilà, vous je l'avez te conduis. entendu, je viens de donner l'ordre à Ça, mon je peux junior conduire à d'aller le l'entrée quand même. récupérer. Ok. Ok, très bien. Eh bien, je reviens vers vous dès que j'aurai votre collègue, d'accord? Parfait, à tout de suite. Du coup, qu'est-ce qu'ils t'ont Ouais, dit? ils ont bah en fait 42 va ramener son Ouais, pote bah et on va ça faire l'échange. va. Ok. De Très bien. l'SPD à BCSO, on a eu un problème avec le SMS. Finalement, c'est l'unité X qui a dû prendre le deuxième bandit en charge pour conserver La la chance chance de de libérer libérer un un otage, otage. Le le bandit bandit va va être être récupéré récupéré à à l'hôpital l'hôpital sans sans prendre prendre son son identité. identité. Il Il va va être être ramené ramené ici. ici. On On va va faire faire procéder procéder à à l'échange l'échange comme comme si si on on l'avait l'avait relevé relevé sur sur place. place. Ah, bien pris. T'as vu le véhicule du coup? Ouais, on est sur une berline noire. Ouais, bah c'est Je vais leur sûr. dire. Ouais. De 25 BCSO, le véhicule est une berline noire ressemblant fort à quelque chose de type Mercedes ou grosse berline noire. Bien pris, est-ce que ça peut prendre les routes assez de type hors terrain? Ah, négatif, on est sur de la berline traditionnelle, ça prendra pas rapidement les voies de terre. On va Bien espérer, pris. parce qu'on sait jamais. Expédier. L'Expedia BCSO, je viens de demander au LSMS de monter l'individu en arrière pour éviter qu'il y ait une visue complète sur la route, pour éviter qu'il nous voie là où on est. De BCSO, c'est 42 qui va réquisitionner un véhicule pour ramener l'individu. C'est le junior qui est parti avec le LSMS. Ils vont pas revenir avec le LSMS, ils vont revenir avec un véhicule réquisitionné. Bien pris. Bien pris, on va se mettre à l'écart alors. C'est chaud quand même. Chaque fois Ouais, ça c'est tombe sur chaud. nous, on dit avec Marley. Ouais, c'est clair. Quand le shérif y part, hop, On... c'est nous qu'on se tape ça.
On devrait pouvoir s'en sortir. Quand ouais, ils vont bah partir, ouais. on va récupérer notre, notre voiture. On va avancer doucement en attendant qu'on ait la confirmation que, le, que l'otage a été libéré. Et voilà. Et qu'est-ce qu'ils faisaient là du coup? T'as su ou pas? Là, ce qu'il nous m'a dit, c'est qu'ils étaient en train de régler des, qu'ils étaient en train de régler des comptes entre eux et puis les mecs là. Ok. Et a priori, on est arrivé au milieu de ça. Ok. C'est chelou parce qu'il y a qu'un seul véhicule. Ouais, ils ont peut-être enlevé en fait les deux ouais. gars. Après, moi, je sens la couille, hein, clairement. Même j'ai dit à Marley, moi, je les ai vus, c'était tous les trois en train de pas être tranquilles. Bon, après. On sait pas quand je suis parti, je suis revenu, qu'est-ce qui s'est passé, mais. Ouais, ouais. C'est quand même chelou. Parce que clairement, les deux gars, ils auraient pu braquer le mec seul, on va dire, quand l'autre est venu nous attaquer. Ouais, mais je pense qu'il les avait désarmés avant. Ouais, bah. Ouais. C'est bizarre. Puis on verra quand on les récupérera. Bon, en tout cas, le, l'autre, je vais le désarmer avant de le ramener. Ça, c'est ouais, clair. Ouais, clairement. Bah oui. De toute façon, il... de toute façon, il était à l'hôpital, il a été soigné, c'est etc. Ses armes ont été retirées. Hein. Attends, c'est dommage qu'on puisse pas intervenir et le choper direct, le mec seul, là. Mais là, genre, quand là tu... on aurait eu un mec avec un fusil, un fusil tir à longue distance. Voilà. Le mec, il était foutu. Ah bah clairement. Ouais, mais rien, imagine. Tu vois, il y a le numéro 3 là. Ouais. Et bah, tu sais, il y en a un qui longe le mur. On va le recoller là. Et pendant que toi, tu y parles, il y a plusieurs agents qui longent le mur et hop, ils le chopent. Toi, ils tasent ou ils font ce qu'il faut et voilà. Après, c'est risqué, mais ça aurait pu. Vu qu'il est tout seul, on aurait pu faire une intervention, ouais, mais il manque. Il aurait fallu qu'on soit trois titulaires pour pouvoir faire ça. Ouais, bah c'est pour ça. Et là, les speed, je sais pas combien ils sont. J'ai l'individu, j'arrive avec l'ambulance que l'hôpital me plaît. 10-4. Parce que là, le truc, c'est qu'ils vont réussir à s'enfuir, je pense. Du coup. Ouais, affirmatif, mais je pense qu'avec le. Dans la situation actuelle, si on arrive à récupérer les otages, ce sera déjà bien. Oui, déjà. Mais du coup, c'est pas mal qu'il y ait un nom qui a été balancé après. Je vais voir si c'est un surnom, quelque chose, c'est un pseudonyme ou un mec qui... C'est pas une vraie personne. Enfin, voir si c'est pas un pseudo, Vito, ou si c'est son vrai nom. On sait jamais. De 42, je suis en route. 10-4. Et de l'autre côté, il y a des escaliers aussi qu'il faut pour monter sur le bâtiment. Mais je sais pas jusqu'à où ça va aussi. Ah, mais on aurait eu plus de moyens, c'est clair, que, c'est clair qu'on aurait pu l'avoir. La personne n'a pas voulu que je lui lotie les hommes, mais elle est menottée à la hiette de l'ambulance. Hein. Ouais, mais on va pas lui laisser le choix de toute façon. Moi, je me balade pas avec un mec armé à côté de moi. C'est clair. Quand il arrivera, on le fera, nous. Il sera obligé. Ouais, je suis junior, là j'ai pas préféré pour l'otage, j'ai préféré la joie. Ouais, t'inquiète pas. Ouais, t'inquiète. Tant qu'il est menotté, après, nous, on fera ce qu'il faut. Peut-être prévenir les Speedy qu'il arrive en ambulance. À la base, il devait pas.
Fais attention au RS42 si tu les as laissés hein, quand tu rentres. Ouais, ouais, je l'ai laissé que du côté gauche, hein, donc okay. Je passe pas à la droite. Là. D'accord, nickel. De 42, l'individu me demande comment on les a trouvés. Là, il demandait si c'était le vol de véhicule ou non. Hein. J'ai simplement dit qu'on les a trouvés pas out lors d'une patrouille. Ouais, on dit pas plus, 42. 10-4. Faut pas qu'ils en chassent plus sur la façon de patrouiller. Ouais, ouais, j'ai juste dit, ils ont pas eu de chance. Hein. On a fait le tour de patrouille, ils sont tombés dessus. Ouais, ça, affirmatif. C'était au pif. Nous sommes à l'entrée, hein, j'arrive. L'individu est au téléphone, je le vois. Ouais, l'individu est au téléphone. Faire attention qu'il n'appelle pas des amis. Hein. C'est jamais là que ça arrive. Je te laisserai le désarmer, hein, lui faire comprendre. Je vais surveiller au cas où. Bon monsieur, avant de vous ramener là-bas, on va pas contrôler votre identité, rien, par respect pour les otages. Par contre, sachant que je vais être obligé de vous démenoter avant de vous ramener à votre collègue, moi je ne ramène pas quelqu'un qui est en position, en possession d'armes sur lui, donc je vais vous retirer votre arme. Non, ça je ne veux pas. Je vous laisse pas le choix, monsieur. Ah ben mon collègue, il va pas vous laisser le choix non plus. Allez monsieur, on est déjà en train de négocier pour que ça se passe bien. Je vais pas vous laisser avec une arme à côté de moi, monsieur. C'est pas possible. C'est ma vie, c'est ma vie qui est en jeu comme la vôtre. Ma parole d'honneur, je n'utiliserai pas mon arme contre toi tant que tu me ramènes. Non, non, c'est un non négatif, monsieur. Je vous laisse pas votre arme et on est déjà extrêmement sympa avec vous parce que notre priorité c'est la vie des otages. Par contre, là vous en demandez trop. Donc votre arme vous est enlevée. Je te donne mon couteau. Non, mais je vais vous fouiller de toute façon. J'ai pas besoin de votre autorisation. Voilà, je vous retire donc chargeur et pistolet de combat. C'est spécial BCSO. BCSO, j'écoute. Ça se passe comment au niveau de... Je retire un pistolet de combat. Nous venons de récupérer l'individu, nous sommes en place, nous sommes en train de le fouiller par l'agent 25. Ok, d'accord, et c'est, après, c'est fair procéder play. À... Voilà. Allez, avancez monsieur, et je vous démenotterai quand on sera face à votre collègue. Par contre, faites pas les malins, on a quand même des collègues qui sont armés derrière. Je pense que vous êtes au courant. On y va doucement. Allô, là, comment ça s'est passé? Bon, il a récupéré ses armes, nickel. D'accord. L'homme là, il m'a dit de l'appeler Vino. Vino, ouais, non, moi je vais retenir Vito déjà. Ouais, non, mais là, c'est la personne à lui là, qui m'a dit de l'appeler. Celui qui était dans l'ambulance, là, il m'a dit de l'appeler Vino. D'accord, ouais. Moi je vais quand même je vais retenir les deux, on sait jamais. Vous m'entendez, monsieur? Ouais. Parce que peut-être un de ses collègues a fait une connerie et voilà. Est-ce que vous m'entendez, monsieur? Stop. On sait jamais. Ok, très bien. Allez, vous. Par contre, quand on récupère l'individu, les otages. Et je le démenote. Tu le fouilles okay, direct au cas où, toi, pour sécurité, ouais, on va dire. Voilà, je le démenote. Et tu le mets derrière l'ambulance, comme ça. Oui, je le menote et je le fouille. Bon, pas besoin de voilà. Peut-être pas le menoter, allez, juste le fouiller, toi. Parce ouais, il n'y a pas de soucis. Hein. Enfin, voir ce qu'il dit, 25. Négatif, je l'ai pas avec moi, votre arme. Allez, venez, monsieur. Suivez-moi. Ok, 25, quand t'arrives... Mets-le derrière l'ambulance et 42 va le fouiller au cas où, par mesure de précaution. Affirmatif. Monsieur, vous me suivez jusqu'à derrière l'ambulance, d'accord? Bon, en même temps, il est en calbut, donc il doit pas avoir grand-chose sur lui, mais on va vérifier quand même. C'est clair, on sait jamais, hein. Il a des grosses poches.
Je te laisse, 42. Vas-y, bien pli. Bon, monsieur, là, vous vous... Je retourne pour la fin de la négociation. Vas-y. Mettre face contre l'ambulance, là, je vais aller vérifier qu'il y a rien qui... BCSO, ça va arriver bientôt. On a fait l'échange. Vous allez voir le véhicule qui part ? On est d'accord que vous avez rien sur vous. Bien, messieurs. Attends, mais c'est quand vous allez voir le véhicule. Maintenant, on vous propose de prendre votre voiture avec l'otage. Vous partez. Répétez, la speedy. Vous lâchez l'otage une fois que vous êtes sorti du Human Rights et personne ne poursuivra personne. La radio a quelques petits problèmes, je vous entends très mal. Tu fais quoi ? Je le... Ouais, donc Ouais, pareil, hein. J'arrive pas à donc, communiquer avec la SPD. Ouais, donc le monsieur là, c'est une personne. 18 ? Ouais. C'est une personne que je connais bien là. D'accord. Par contre, ils l'ont espécé des chantes, des saints. Ah oui, ok. Et il avait rien sur lui du coup, vu qu'il a poil. Non, il a rien du tout sur lui. Ok, bah prends son identité, après on va l'emmener, on ira le laver aussi. Ouais, bah, il ira se laver surtout tout seul. Mais... Ouais, non, mais il a pas l'identité, t'as pas ta carte d'identité, j'imagine. Des fois, je la mets dans mes chaussures, je peux vous la passer. Hein. Ah ouais, si tu l'as là, c'est... Tu sais, c'est pour les papiers, tout ça, même si je te connais. Ouais, je me doute. BCSO et l'SPD, la radio a quelques soucis, on s'entend pas. Ouais, je te le mets si, attends, je vais le noter. Et du coup, monsieur, vous résumez qu'en gros, vous étiez là pour régler vos comptes avec eux, en fait. Ce qu'ils ont dit, c'est bien ça. Ouais, je sais pas, ils m'ont kidnappé, j'aurais répondu, ils m'ont aspergé des sens, vous êtes arrivé. Ah ouais, bon, on arrive au bon moment alors, dis donc. Ouais, comment ça se fait que tu te retrouves dans ce jeu de conneries là? Je sais pas, ils sont venus au mécano. Y'a pas de problème, de toute façon, potes, nous on a la visibilité sur l'entrée en train de là-bas, voiture, mais au moins on pourra pas tirer. Dès l'instant d'accord. Et où, c'est qui là qui est avec toi? On voit que l'otage est laissé, voilà, vous entendrez attends pas deux secondes, j'éteins sirène, la radio. Pas de véhicule, vous verrez pas de véhicule à la sortie, rien. Vous le verrez de toute façon, ouais, à la sortie, il y aura personne. Dave, ODD. Non, mais dis pas, c'est Dave. Y'a aucun véhicule de flic. Est-ce que tu as son nom de famille ou pas? Vous avez ma parole. Je sais pas. Je sais plus. Je m'appelle ODD, moi. Ouais, donc on va l'appeler Dave, alias ODD. Allez. D'accord, et ils sont venus donc au garage. Et vous ont lequel demandé... Le Bénise? Ouais, c'est ouais. Le Bénise. Ok. Il y avait des témoins ou pas du tout? Il y avait la patronne, il y avait pas mal de gens devant. D'accord. Il y avait même des vagos. Ok, bon, on ira voir au cas où. Des fois qu'ils auraient vu quelque chose qui peut y se... Attends, là, t'es en train de me dire, là, ils ont kidnappé devant tout le monde et il y a personne qui a réagi? De BCSO, ils vont sortir, non. Ils vont laisser l'otage au niveau de l'entrée du Man Right. Ouais, après, c'est quoi, ils c'est comme le dit, là, j'allais lui tomber dessus, là. Ouais, clairement. Ouais, tel le pélican qui vient chasser l'oiseau. 14. Vous avez pris, LSPD? C'est bien pris, c'est bien pris. Oui, bien pris. Ok. Ouais, tu sais, t'as besoin de rien. Ouais, attends, là, bien, bien. Ok, il passe devant nous. Ok. Je vais aller voir s'il n'y a plus personne dedans. Ouais. Par contre, il s'est fait enlever au mécano, le monsieur. C'est devant tout le monde. C'est assez chelou. Hein. Et personne n'a réagi. Merde, il passe à côté gauche, ils vont prendre l'air, je crois. C'est pas grave. Non, négatif. Hein. Le côté gauche, là, c'est le bon côté. Hein. Ah, ok. Je vois pas s'ils se sont arrêtés pour l'otage. De 42... Ouais, ils sont arrêtés pour l'otage. Je fais quoi avec le premier otage? Bah on va l'emmener pour prendre la déposition. Est-ce qu'ils ont laissé les affaires de l'otage ou pas? Je vais voir. De BCSO, je les vois arrêter au niveau de l'entrée de Human Rights pour l'instant. On est en train de... Je vais regarder s'ils laissent l'otage.
Tenez, monsieur, j'ai retrouvé vos vêtements. Ouais, merci. Hop. Il y a ma radio, mon couteau et mon téléphone aussi avec. Ouais, de baisser son otage est descendu. Je pense pas. L'otage est descendu. J'ai juste trouvé les vêtements après. J'ai pas fouillé, je vous les remets. Vous confirmez qu'ils n'ont plus du tout d'otage? Voilà. Affirmatif. Ils portent? Ouais, affirmatif. Merci. Voilà, montez avec le junior. 42, tu reprends le véhicule du LSMS, ouais, tu ramènes l'otage. Ouais. Nous, on prend le véhicule de. Confirmé qu'ils ont plus. Ouais, c'est bien pris. Affirmatif, puis l'otage. Kyle, tu vas me suivre. Je l'amène au poste? Ouais, pour la déposition. Ouais, c'est bien plié. Ouais, prends l'autre aussi, prends l'autre aussi. 22, 42, prends l'autre aussi. Ok. Maintenant, on va les choper. Fais gaffe au garçon. Nickel. Mais les gyros, hein. Enfin, je sais pas ce que tu fais. Ouais, bah j'attends le LSMS d'avoir des infos. Okay. Le SPD. De BCSO et l'SPD, vous avez vu le véhicule? Direct 70, Charles le suit. 10-4. Direction 70, Charles. Ils le suivent. Toujours direction 110 Champville. Toujours direction 110 Champville. Affirmatif. Ils ont plus d'otages à l'intérieur, vous êtes sûr? 100%. 100%, on a le deuxième otage avec nous. Les calendés, ils sont au niveau de 110 Champville. 110 Champville. On vous rejoint, chef. Ils sont sérieux. Messieurs, arrêtez-vous. La deuxième voiture noire, c'est les flics, ça? Ouais, c'est les flics. Ok. Ça tire. Ok, ils tirent. Je réplique. Hein. Des pneus, j'ai des pneus. Ok, ils ont fait un accident. Accident de leur part. Ok, j'en ai abattu un. Par contre, je suis pas mal touché. Hein. Ok, je crois que c'est bon. Allez, en soutien avec le BC sur le côté rouge jaune. Ok, on en a abattu un. On en a abattu un, par contre, il a fait une ITX direct. Hein. On est bien? On en a blessé ou pas? Ouais, non, moi j'ai pas été blessé. Ouais, mon gilet, mais ça va. Dans le gilet, ouais. Par contre. C'est le principal. Ouais, ouais. Par contre, celui-là qu'on a eu, là, il est parti directement. Eh ben. C'est noté. Je peux venir percer le mec ici. Et le deuxième, vous l'avez? L'Unity X a pris le suivant. Hein. Ok. Instant, hein. Ouais, direct, il est parti l'autre. Bon, au moins, on en a un. On bouge à l'hôpital ou pas? Voir s'il y a du mouvement. Pourquoi il y a du mouvement à l'hôpital? Bah, il a fait Unity X. Enfin, l'Unity X est venu le chercher l'autre. Ouais, direct. D'un coup. Vous avez un véhicule qui roule encore? Bah, on a été percuté de côté, mais le moteur, je pense pas. Putain, il y a pas un véhicule qui arrive. Mais il démarre, le nôtre. De Besso et les SMS, vous êtes là? BCSO et les SMS. Êtes-vous disponible pour venir soigner une personne? Partir par balle. Je veux bien, mais vous avez déjà une de mes ambulances, donc... Ah, merde. Vous n'avez pas une deuxième? Si. Il faudrait penser à la redescendre. Vous inquiétez pas à redescendre. Merci. Je vous envoie la position.
Madame 12, on tient renfort au shérif. Enfin, à la BC, soit. Ok, les SMS arrivent. Ah bah moi, sa maman là, putain. De 42 à toutes les unités, je suis au commissariat avec les deux autres. Une unité qui s'est récupérée aussi, je crois. Ouais. Ah punaise, je vais prévenir les SMS. 12 pour 59. Les SMS ne venait pas, l'unité X est partie directement. L'unité X l'a récupéré direct. Bien reçu. Et après, je dirai à monsieur Marais de vous ramener l'ambulance. Merci. Ça va? Ouais, 25. Ça va. Ouais, bon, bah, on va y aller, hein, du coup. L'unité X l'a emmené aussi. T'es là, 25? Ouais, je suis là. J'ai des voix dans ma tête qui m'insultent. Comment ça? J'ai des voix sur ma GoPro qui m'insultent parce qu'on a arrêté leur porteur de GoPro favori. Ah ok, bah tant pis. Par contre, ils ont vite fait Unity X, hein. Faut qu'on y aille. On va rejoindre les Speedy. Vas-y. Par contre, si on les trouve pas, je serais dégoûté, là, clairement. Parce que pour moi, je sais pas, tu pars pas Unity X direct. Hein. T'as vu lui de tout à l'heure. Ouais, non, j'ai pas compris comment il s'était parti Unity X direct. Bah, on va dire tu peux forcer des fois l'Unity X. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais si c'est ça, c'est pas très réglo, on va dire. Dans les règles de la ville. Enfin, pour ma part, ça serait pas réglo. Surtout avec une personne des ambulances présente. Ouais. Putain, les auraient eu tous là. Là, on aurait été promu direct caporal. La prime et tout. Ils sont présents ou pas? Négatif. Oh putain. Chier. Du coup, comment ça va se passer? Vous savez, on peut même pas les retrouver en plus. Parce que c'est assez chelou. Pas. Parce que tout à l'heure, on a eu un des leurs. Il a au moins attendu plus de 10 minutes sans que l'unité X arrive. Et là, bizarrement, l'unité X a forcé à les emmener. Non, bah ils sont pas là, 25. C'est 49, je pense que. Ouais, ils ont été pris en charge par NTX, mais bon, voilà. On peut pas faire grand chose en fait. Mais c'est assez bizarre. Ouais, c'est très bizarre.
Que celui de tout à l'heure, on avait peur qu'il partait, mais il est jamais parti. Hein. Moi, je vois ça. Et là, bizarrement, ils partent. Sinon, ta patère a bien fonctionné. Ouais. Mmh. Je pensais qu'on allait attendre pour rien, là. Non, bah non, nickel. Hein. Ça a été bien géré. Bon travail. Je fais le choc, il était volontaire. Ouais, bon, bah, ouais, choqué, mais c'était très bien. Ils sont... Alors ? Bah, ils sont pas là, ils ont disparu. Hein. Ils se sont endormis, ça, pour longtemps ? Sûrement, ouais. Eh bah, faudrait laisser une patrouille là-bas, peut-être. Bah, après, soit ils sont partis, soit ils... Après, dans l'état où ils sont... Y a le capitaine qui nous attend au central, dans 5 minutes. Allez, on y va, alors. Et merci à vous. Non, on va les gérer. Ouais, merci à vous. La vie des otages, ça va ? Ils vont très bien, ouais. Ils sont en train de prendre leur disposition, le junior, sinon nickel. Super. Ils sont un peu choqués, il y en a un qui a été renversé d'essence. Bon, du coup, il est un peu choqué, mais ça devrait aller. Doute. Là, ça fait juste chier, du coup, pour les preneurs d'otages, parce que... Vous inquiétez pas. Ouais, parce que le truc, c'est que tout à l'heure, on en a eu un. Bon, on a dû le soigner, etc., mais il est resté C'était au moins... un des deux qui était ressorti, là Ouais. Ouais, affirmatif. Ouais, lui, il était resté au moins 20 minutes à terre, vous voyez. Il était vraiment... Blessé deux fois par balle. Ouais. Ouais, affirmatif. Il était une fois, il s'est fait dans un état critique. Ah bah alors. Clairement. Ouais, clairement. Déjà la première fois, il a failli passer, a dit la médecin. Il a resté 20 minutes au sol, à perdre son sang. Après, il a été emmené par une ZX, du coup, au bout de 20 minutes, à peu près. Ok. On l'a ramené, bah là, du coup, bah ils sont tous les deux partis au sol et bah ils ont été directement emmenés, hein, en moins d'une seconde. Bonsoir. C'est assez bizarre parce qu'il a pris 20 minutes tout à l'heure et là une seconde. Ouais. Ils sont rapides. Bah, on vous laisse gérer ça avec les SMS à la limite. Si vous avez besoin, vous nous appelez. Ouais, pas de soucis. Ouais, pas de soucis. Merci à vous. Plus tard, les gars. Pas de soucis. Ouais, merci à vous pour votre intervention, les gars. Pas de soucis. Bon, si vous avez deux personnes qui reviennent dans un sale état avec multiples plaies par balles, n'hésitez pas à nous contacter. C'est deux personnes qui ont été visiblement très, 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 très vite prises en charge par l'unité. J'en ai entendu parler. Voilà, et ils sont très dangereux, faites gaffe. Vous n'avez pas d'identité ? Bah non, du coup. Ok. Négatif. Si on les a eus, ils se sont fait emmener. Je vous contacte vous ou la LSPD ? Bah nous directement. Et au pire, si on n'est pas là, vous contactez eux et ils nous retransmettront le truc. Ok, d'accord. Mais voilà, faites. Si jamais il y a des personnes, même si on ne sait pas, je préfère dans le doute vous contacter si jamais il y a quelqu'un. Ouais, bah, ils sont très, très amochés. Hein, parce qu'il y a déjà la personne que Kelly a essayé de soigner tout à l'heure. Du coup, bah, lui, il a eu de nouvelles balles encore. Il a mal fini. Hein. Après, le deuxième, on ne sait pas trop, mais il a mal fini aussi, vu qu'il a été emmené directement. Affirmatif. Du coup, il doit être il pas mal amoché. Il avait reçu des balles avant Ouais, c'est sûr. Il avait été opéré pour ça Ouais. Mais, le premier, ouais, pas une TX, du coup. Ouais. Causer souci. Et du coup, là, ça fait deux fois pour lui. Ouais, du coup, on verra au niveau des blessures, etc. Si de toute façon, il est. S'il a une chirurgie fraîche, on le verra. Et même au niveau des balles ou autre. C'est ça. Ok. Du coup, vous avez pensé à ramener à l'ambulance ou... Monsieur Marley va s'en occuper ou au pire, au pire, je la ramènerai. Je vais voir avec lui. Ok, ça serait bien. En train de prendre les dépositions des. Ouais, pas de souci, on va faire ça. Bon, on va y aller en 25 hein, du coup. Ok, ça marche. Je vais prendre mon service, j'aurai la radio si jamais au cas où je vous contacterai. D'accord, merci. Oh, ok, très bien. Si jamais vous n'avez pas de nouvelles, c'est qu'il n'y a personne. Pas de soucis. Ok, ça marche. Si vous voulez être sûr ou autre, que vous voulez contacter, faites. Hein. Voilà. Il n'y a pas de problème. Ok. Bah, merci à vous, hein, du coup. Merci beaucoup. Hein. Ouais, merci beaucoup. C'est normal, merci à vous. Et toi, tu veux pas faire inspecter quand même si t'as pas pris un choc sous le gilet je veux bien. Parce que j'ai pas mal mal quand même. Mon gilet, il a bien tenu, mais... Ouais, bah, t'as su, moi. Avec le choc, ça a fait un peu mal. Bon, je vais récupérer l'ambulance. Ouais, pas de problème. En fait, un saut, Kelly. Ah, putain. Nickel. Ouf. J'étais très loin. Ouais, vous êtes parti, moi. Allez, du coup, enlevez-moi votre gilet par balle. Notre ami Sodi va vous l'envoyer par la poste. Ouais, vous inquiétez pas. Vu qu'il a pris une balle, va falloir qu'on le change hein, de toute manière. Ouais, voilà. Hop, ok, alors du coup, vous avez pris des balles, c'est ça, dans le gilet ? Bah, une, c'est sûr, ouais. Une, ok, je vais juste regarder. Si vous pouvez juste retirer du coup votre haut. Ouais. Ça a dû faire un petit bleu ou ça, des fois ça casse bien une sûr. Côte ou quoi, des fois ça dépend. Ça dépend le choc. Ouais, alors je vais voir ça. Heureusement qu'il était là. Comment, d'une échelle de 1 à 10, le 1 étant bien et 10 étant pas bien.
Là, je dirais 3. Ok, non, c'est parfait. C'est une petite douleur intense, mais ça va. Alors, du coup, juste regarder. Ouais, ça vous a quand même déclenché un tout petit hématome sous-cutané. Hein. Ah ouais, c'était sûr. Ah putain, ça aurait pas vécu pour aller à la fouère. Pardon, désolé, je parle radio. Ah, pas de soucis, hein. Ne vous inquiétez pas, ouais, on a l'habitude aussi, nous, là-haut. Est-ce que tu veux prendre ma moto, à la rigueur? Allez, partir récupérer l'ambulance. Parce qu'au pire, moi, après, je remonte et j'ai raison. Ouais, bah écoute, au pire des cas, laisse ça à la fourrière. Je me démerderai. Ok. Bien sûr. Non, mais vous savez, il y a toujours ce souci de la fourrière. À l'époque, ils nous les ramenaient, les camionnettes, vous voyez? Ah oui. Là, maintenant, on doit aller chercher. Mais le problème, c'est que, ok, on y va avec une voiture pour la chercher, mais il faut ramener une voiture. Mais on peut pas ramener les deux en même temps. Ah oui, je vois, ouais, je vois. Ça, ouais, c'est fort compliqué. Ah, ouais, du coup, attendez, complexe. Je vais vous mettre de la crème sur les hématomes. Allez-y, pas de soucis. C'est pas trop froid, j'espère. De 42 pour 10. Je disais, c'est pas trop froid. Un petit peu quand même. Mais ça va aller, vous inquiétez pas. On s'y habitue, vous allez ouais, juste serrer les dents un peu. De 42 pour 25. C'est comme avant de rentrer dans la douche, c'est dur de s'habituer au froid. C'est ça. Hop, allez, j'appuie tout ça. 42? Ouais, je t'écoute. Tu t'as essayé d'appeler quelqu'un? Ouais, j'ai essayé de vous appeler là. Juste vous recouvrir d'un peu soin du coup pour éviter que ça tâche et que ça vous dérange. Pas de soucis. Ouais, ouais, tout à fait. Ok, c'est bien pris. Allez, je vous mets tout ça. Heureusement que le gilet pare-balles était là. Ouais, clairement, bah là, ça n'était pas un hématome que j'aurais eu. Ah, bah, clairement. Clairement. Bah, heureusement que vous êtes bien équipé, quoi. Ouais, bah, ouais. Est-ce que vous avez votre carte d'identité sur vous? Ouais, je dois l'avoir dans mon pantalon. Alors. Ouais. Ça, juste compléter, du coup, votre dossier. Le dossier nord et sud, ils sont pareils ou pas? De toute manière, on a un dossier sud, on a un dossier nord, donc. Ah, d'accord. C'est un peu compliqué. Bah, il suffit qu'en fait, s'il y a un de nos patients du sud qui se casse la gueule dans le nord et qui se prend en charge dans le nord, il y a un nouveau dossier qui se crée. Ah, ok, d'accord. C'est pas compliqué. Et nous, on suit ce qu'on a. Alors, du coup, monsieur. Dubois-Rémy, pardon. C'est ça. Nickel. De toute façon, je crois que vous avez déjà un dossier chez nous. Ouais, j'étais venu il y a longtemps. Ouais. Je vois quand même s'il n'a pas été transféré, mais normalement, ça devrait être ok. Accident de scooter. Après, je me souviens plus tout. Possible, oui. Allez, du coup, je vais vous laisser remettre votre haut. Ouais, pas de soucis. Et je vois qu'on peut entrer. De 42, les deux otages, là, c'est bon, ils partent tranquillement, là. Oh, voilà. Vous m'avez donné envie de bailler, mon dieu. Est-ce que je vais ramener mon ambiance à la LSMS? Excusez-moi. Pas de soucis. Ah là là. Voilà. Affirmatif, ramène l'ambulance, on t'attend. Freddy, il s'est coupé les cheveux. Bah, c'est le shérif, il aime pas trop nos coupes de cheveux. Même moi, il veut que je les coupe, mais j'ose pas pour l'instant. Ah. Du coup, je la cache avec la casquette. Votre ambulance arrive. Mais Freddy, lui, il l'a coupé, lui. Il l'a fait couper. Te plaît pas, ça fait l'assaut, bien sûr. Ah, moi, j'ai ouais, pas osé il encore. A tout coupé, oui, mais à ce point-là, franchement. T'as un problème avec ma nouvelle coupe de cheveux, Kelly? Non, mais c'est assez perturbant en fait. Vu ouais, que j'ai moi, ça m'a choqué. Ouais, je sais, ça a choqué beaucoup de monde, mais moi, j'aime bien, ça me change bah, un petit moi, peu. Moi, je suis choqué. Ouais. Avant, même c'était moi, une belle petite choquée. Blonde, là. Hein. Là, ça y est. Putain. Vous avez tout enlevé, c'est même pas un petit peu une petite longueur ou quoi, c'est rasé à blanc, limite. Clair. Ah, puis les cheveux ça repousse, puis je sais pas, j'avais envie de changer, ça tombait bien, ça m'a donné une bonne raison. Bah ouais, clairement. Ah. Bah, moi pour l'instant je le cache avec la casquette. Et non, autre. Non, ça va, en vrai j'aime bien cette coupe là, ça me donne une autre tête, ça fait du bien. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est clair, ça change. On dirait un autre homme en fait. C'est ça, il a changé. Ouais, il a changé. J'ai changé, comment ça? Bah, la coupe de cheveux. Ah oui, non, mais oui, mais à part ça, j'ai pas changé. Bah, non, non, non. Même. C'est une façon de parler. Ouais, d'accord. Et alors, tout va bien en fait, 18? Ouais, c'est bon, c'est juste un petit hématome avec le choc. De la balle qui a tapé dans le pare-balles. Elle a mis une crème, etc. Ça devrait le faire.
Bon, super. Bon, bah nous, on attend que 42 vous ramène votre ambulance pour partir. Ok, parfait. Merci. Moi, j'attends mon taxi. Pour t'en récupérer t'en notre ambulance. Non, c'est pas un taxi. Ah, ok, je vois. Je crois que c'est vous. Non, du tout. Ah, ok, j'ai cru. Non, c'est un ami proche. Non, on peut le dire, c'est mon compagnon. Ah, bah, vous pouvez le dire. Et il se prénomme comment? Peut-être qu'on le connaît. Bah, je sais pas si vous étiez là quand il est passé tout à l'heure. C'est le capitaine de la LSPD. Ah. Monsieur Joyce. Ah, ok. Ah, c'est beau. Bah, vous êtes bien le seul. Alléluia. Parce que je suis arrivée, je me suis fait accaparer par quelques personnes en mode « Eh, vous sortez avec un tel et un tel. » C'est lui avec lesquels cheveux, c'est pas celui avec les cheveux blancs, non? Non, ça c'est... Parce qu'après, ils ont tous la même coupe à la Speedy, du coup, je... Non, lui, il a les cheveux noirs, classiques. Ah, ok. Voilà. Bon, bah, c'est bien. Et vous, Kelly? Moi? Oui. Avec le caporal? Caporal. Steve Cote? Non, pas du tout. Ça n'a rien donné? Pas du tout, non. Ah, une nouvelle histoire chez Romanceland? Ah, oh, c'est très vu, je sais plus. Ouais, parce qu'il m'en avait parlé vite fait, mais. Ouais, non. Après, je n'ai pas reparlé depuis. Plus reparlé depuis. Ah merde. Ah, il est aussi nul que ça. Il est dans le gaz. Non, c'est pas grave. Même ma co-directrice, avec qui je suis quand même assez proche, était au courant que j'étais avec quelqu'un, mais sans que ce soit moi qui lui dise. Ah oui. Ah, vous savez, les rumeurs, ça tourne vite. Hein. Ouais, surtout à l'hôpital. Et surtout en soirée. Ça tourne vite. Hein. Ah bah, faut faire gaffe des fois. Hein. Bon, c'est pas méchant comme rumeur, hein, surtout que non, c'est la vérité. Non, bah non, si c'est vrai, en plus, c'est nickel. Encore, si c'est une rumeur bah méchante, là, oui. Non, je dirais quelque chose, méchant. Mais là, c'est pas du tout méchant, c'est surtout, et c'est la vérité, en plus. Donc, c'est ça, alors, pas... ça va. Mais bon, c'est récent et c'est déjà connu, quoi. Ah bah des fois ça va vite, hein. Ouais, bah j'ai vu ça. Et toi, Freddy? Ouais. Personne? Oh, moi tu sais, dans le Nord, on rencontre pas grand monde de... comment dire les femmes sont pas super mignonnes. C'est ça. Ah, c'est bah, clair. Y a des cougars. Ouais, y a des cougars. Et ça, pour avoir des cougars, il y en a. C'est a clair, ils nous sautent même dessus, bon. Ça. Ah, bah voilà. Bah après. C'est pas le moment. Bah, m'a raconté son exploit comme quoi il a chassé une cougar. Ouais, bah il a kiffé. Hein. Il a passé la soirée. Dans n'importe quelle forme, tant que c'est une cougar, ça saute dessus. Hein. Ah, c'est ça, c'est clair. C'est clair. Il faut faire gaffe. Hein. Non, c'est vrai que dans le Nord, c'est pas terrible. Hein. T'es à combien de kilomètres 42 Je suis en train d'arriver là, je termine l'autoroute. Ok, 10-4. Bon bah il arrive. Il termine l'autoroute et il arrive. Mais vous, on vous a pas posé la question, hein. Ah bah on me l'a pas posé. À Romanceland, c'est quoi? Non, moi personne. Pour l'instant, personne. Un jour peut-être. Hein. Bon, de toute façon, faut pas s'y attendre. Oh ça bah non, tombe moi, dessus. C'est ça, voilà. Faut moi pas, j'attends faut pas. Courir après, hein. C'est ça, ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Ça va rendre d'un coup et voilà. C'est ça. Voilà le meilleur qui arrive. Le dompteur de couillard. Ouais, bah il arrive. Ah, le dompteur de couillard. Je suis d'accord. J'étais là les clés. Ah, merci. Bonsoir. Ah, même petit oiseau des îles, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, je vais toujours bien, tu me connais. Toujours la forme. Et toujours la patate. Ça se voit jusqu'à ton gilet. T'as la patate. Ouais, tu es mais... resplendissant. Bientôt. Ouais, on... Fais gaffe, je vais aller dans ton bureau, là, je vais les vérifier. Bah vas-y, y'a rien dans mon bureau. Hein. Ouais, à part des papiers, c'est tout. Hein. Et maintenant, fais gaffe, je suis lié. Ah, pourquoi tu savais pas avant? Ouais, je savais toujours, hein, mais je disais je ne savais pas. Ah bah bravo. Et c'était pour avoir les clés plus facilement. Non, mais surtout que les seules fois où t'es allé dans mon bureau, c'est pas pour regarder mes dossiers, c'est pour te cacher, donc...
Et tu es celui-là que j'ai pas vérifié de ton truc, hein. Ah, j'en suis sûre et certaine. Vu ton état. Eh, hey, je suis bon comédien, hein. Je suis tristesse. Hein. T'as ramené l'ambulance, du coup, tu l'as mis derrière ? Non, je l'ai mis juste devant. Hein. Ouais, mais je vais voir pour passer chez Mécano. Ah, d'ailleurs, 25 et 18, là, il faudra qu'on convoque des personnes, là, je vous explique les plus tard. Ouais, pas de soucis. Ok, ça marche, pas de problème. De toute façon, on va y aller, hein. Vu qu'on a pas mal de choses à faire avec les deux autres, là, qui sont partis. Ah, on les a attalapés ? Bah, on les a battus, mais Unité X est arrivé direct en moins d'une seconde. Et ici, ils étaient pas là. Ouais, c'est quoi ça ? Mais sinon, on les avait battus. Et les Speedy, ils en ont battu un, et j'en ai battu le deuxième. En me prenant une balle, mais ça va. Et c'est quoi ces conneries, là ? Ah bah, aucune idée, hein. C'est pour ça qu'il faut qu'on aille voir ça. Mon petit oiseau des îles, là, j'espère que t'as la peau de l'Unité X de suite. Hein. Bah, j'espère aussi. Mais il faut voir s'ils les ont vus passer, s'il n'y a pas un supérieur ou quoi qui est au courant de ça. Ouais, bah, est-ce que c'est quand même chelou. Ouais. Bah, surtout qu'ils arrivent aussi vite, quoi. Bah ouais, au moins d'une seconde. Alors que tout à l'heure, Kelly l'a bien vu qu'ils sont restés au moins, je sais pas combien de temps à terre. Ouais, il est resté 10 minutes, un cadeau. Ouais. Il s'est vidé de son sang, le mec. Soit. C'était une éponge. Le seul moyen possible, c'est ouais, soit ils ont fait plus vite que d'habitude. Bah, je. Soit part, l'unité X travaille avec, j'en sais rien. Ouais, bah c'est. Mais là, c'est un autre problème. Ouais, ou sinon, il est parti dans le ciel directement, il revient de là plus jamais. Ouais, à voir, ouais. Bon, c'est pour ça qu'on va aller voir ça. Hein. Bon, bah c'est cool. Sinon, la mon oiseau des îles, là, toi, tu vas bien ? Hein ? Comment tu vas ? Bah, ça va, ça va. Et hein. Avec tu sais qui, là, comment ça va ? Ça va, ça va. Ah, en fait, il y avait que moi qui était pas au courant, en fait. Ouais. C'est et que... moi j'ai été le non, premier lui, au ouais, lui il était là quand ça se passait, que c'était pas encore. C'était un peu Cupidon. Ah, c'est oui. Ça, moi je les ai vus un peu tous les deux tout nus là presque. Là, quoi là, qu'est-ce que tu faisais, Marley? Et j'ai dit presque tout comment nu. Comment ça tout nu? Non, j'ai dit presque tout nu. Comment ça presque tout nu? Et le maillot de bain là c'est presque tout nu. Mais non, c'est un maillot de bain, ça va. Et c'est pour ça que j'ai dit presque tout nu. Et il vous espionne en fait, monsieur Marley. Mais non, là c'était. Bah, c'était tu peux pas comprendre. Il était au-dessus de mon épaule. Ah, c'est ça en fait. Ouais, par contre, là je suis. Il y a un truc qui me choque là. De ce soir, là je suis trop choqué là. Quoi? Pourquoi Kelly elle a les lunettes? Hein? Bah, moi aussi ça m'arrive d'en mettre. Et c'est vous pratique savez... des fois. Et vous savez ce qu'on dit là sur les fameuses lunettes? J'ai peur de ce que tu vas dire. Et c'est les femmes qui voient mal. Hein. Ah, ouais. C'est vrai. Pourtant, elle m'a bien soigné. Hein. Et à quoi vous avez passé là de cochonnerie là, les deux là? Bah non, on n'a rien dit. Tu vois, c'est toi là qui pense aux cochonneries. On n'a fait aucune allusion. Arrêtez là, je vous connais. On a juste dit qu'on s'attendait à pire, c'est tout. On n'a pas fait d'allusion de cochonnerie. Et moi là, je suis plus innocent. Bah moi aussi. Ouais, j'ose me dire là, t'as jamais dépassé la limite. Hein. Quoi? T'as jamais fait la limitation de vitesse là ou de feu rouge? Non. Jamais, jamais. Mais t'es le premier à savoir pourquoi tu me poses la question. C'est un peu malaisant pour moi là. Bon allez là, on va te laisser travailler. Ouais, bah on va y retourner aussi. Hein. Il n'y a pas de souci. Bon bah du coup, bonne soirée à vous. Bonne soirée, ouais, bonne soirée à vous. Et merci encore. Soirée, mesdames. À bientôt. À la prochaine. Merci à vous si jamais il y a un souci. Ouais. Dire. Pas de souci. Est-ce qu'on peut passer au LSPD là? Pour. Ouais, il faut qu'on en parle là, j'ai un truc à vérifier. Ah, nickel, ouais, ouais. Et du coup, dis-nous, ouais. Ouais, ils se sont fait enlever au Venise là, il y avait ouais, le directeur et le sous-directeur, ils étaient témoins de la scène, il y avait plusieurs témoins. Ok. Donc, qu'on aille vérifier là s'ils ont eu un appel de kidnapping à la LSPD. Ok. C'est là, il faudra voir là pourquoi ils ont. Il faudra les convoquer pour savoir pourquoi ils n'ont pas fait l'appel quand ils se sont fait enlever avec les armes et tout. Ok. On va dire, on mène l'enquête. Par contre, c'est quand même bizarre pour l'Unité X. Hein, faudrait. Je sais pas qu'est-ce qu'il faudrait faire. Pendant que j'y pense, la 25, tu es au courant là, pour 23? Excuse-moi, qu'est-ce que t'as dit? Tu es au courant pour 23 qu'il est déjà major? Ouais, j'ai pas compris la décision du shérif. Ouais. Moi, j'ai vu ça hier, j'ai halluciné. Que Marley, il fait du travail top et il y a depuis au moins plus d'une semaine maintenant. Pour ça, demain, je parlerai au shérif. Non, mais comme je t'ai dit, là, à mon avis, là, ils ont fait des cochonneries sous le bulot.
Bah, c'est quand même bizarre. Parce que... Ah, Silo, 23, vous avez pas été blessé là, Silo? Moi, si, mais mon gilet pare-balles a pris. Ouais, c'est... Mais je suis juste, c'est, j'ai un petit, comment on appelle ça, un hématome. Voilà, un hématome. Ça devrait passer d'ici quelques heures, on m'a dit. Ouais, parce que c'est dommage, un pôle une fois, on arrive à attraper des gens là qui font la prise d'otage. T'as par contre, j'ai eu peur qu'ils t'abattent. Hein. Même moi, quand ils s'est rapproché du véhicule, c'était chaud. Ouais, attends, on va faire peut-être l'appel à la radio. Hein. Ouais, ouais. BCSO pour les Speedy. Les Speedy pour BCSO à l'écoute. Est-ce qu'il y aurait des agents au commissariat ou pas? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Speedy BCSO affirmatif, nous sommes au poste de police. Très bien, nous sommes à l'accueil. Je sais pas si je peux remettre mon gilet. Du moment que tu termines pas tout nu, moi ça me va. Ouais, bah je me doute. Ah, ça enlève le gilet. J'étais obligé de l'enlever en fait, il a pris une balle. Du coup, il a abîmé, l'ambulance a. Ah. Ils me l'ont enlevé, mais je peux pas le remettre. Du coup, tant pis. Ah, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Voilà, on aimerait savoir si vous avez reçu un appel de la part du Beniz ou de Madame Sfulati ou Monsieur Pat concernant un kidnapping ce soir. Négatif. D'accord. Parce que là, c'est très bizarre, parce que les personnes qui ont été kidnappées, là où vos collègues sont venus nous aider, ouais. Ils se sont fait enlever au bénisse, là, sous effet de l'âme. Ouais. Et il y avait ces deux personnes-là de témoins. Bonsoir, les filles. Bonsoir. Ça, pardon. Du coup, c'est assez bizarre qu'ils sont témoins et qu'ils n'ont pas eu d'appel. Voilà, c'est bizarre. Vu qu'il y avait les témoins là, pendant le kidnapping, je trouve ça bizarre qu'ils ne vous ont pas appelé. De quoi? Il s'est passé quoi? Que les deux otages là se sont fait kidnapper au Beniz, il y avait le directeur, la sous-directrice, enfin la directrice et le sous-directeur en témoin, et personne n'a fait l'appel de kidnapping. Ah bon? Ouais. Ouais, c'est ce que les otages m'ont dit. Vous avez l'identité des deux personnes là? Ouais, je les ai. Attendez, là je vais. Rayana Sorati, j'ai un iPod. Vous avez l'identité des deux personnes interceptées ou pas? Oui, ça je les ai. Vous avez les noms? Ce serait bien pour nous. C'est monsieur Kyle Adams. Ouais. Et monsieur Dave Duval. Ça, c'est ceux qui ont été enlevés. C'est ça. Voilà, ça c'est les otages à qui j'ai fait la déposition. Et ceux qui ont été neutralisés, vous avez pas eu On n'a pas pu, ils ont fait une ITX en moins d'une seconde. Ouais, ok. Du coup, difficile. Là, vu que ça arrive dans le secteur, vous gérez le truc. Ce qu'on peut faire, c'est nous vous communiquer les noms si vous les avez pas. De Madame Fulati et Monsieur Pat. Vous êtes déjà. Ouais, je les connais personnellement aussi, on venait juste vérifier s'il y avait eu un coup de fil, parce que ah c'est pas les mêmes centrales. Je vais vérifier encore sur le central au cas où. Au pire, on va aller les voir après vite fait. Hein. Négatif. Après, Mélanie, ils ne répondent pas, elle nous appelle pour réparer le véhicule. Ah oui. Par contre, pour les noms de personnes blessées, n'hésitez pas à contacter l'hôpital et à demander les registres. Ouais, parce que là, on en revient et l'unité X, il est toujours... Ouais, ouais. L'unité X, sachez qu'ils font toujours un rapport sur tout, hein, d'accord? Tous les éléments... Oui, c'est pour ça, là, on a vu la directrice, on lui a demandé que dès qu'ils ont le rapport, ils nous le transfèrent. Ouais, ouais, c'est ça. Une heure précise, vous avez une description des... Qu'est-ce qu'ils ont pris, les individus? J'ai tout enregistré en termes d'heures, donc normalement, je peux retrouver l'heure précise. Ouais, je peux dire ce qu'ils ont pris. Ils ont pris cher. Ah, clairement. Alors, déjà de ma part, je pense que j'ai mis 3-4 balles sur l'individu. Pour info, il y a pas de blessé chez vous? Moi j'ai pris une balle, mais une balle dans le gilet. C'est mon gilet, du coup ça va. Bien. Et après, j'ai abattu l'autre, du coup très ça bien. A été nickel. Et après, on a aussi eu peur pour vous parce que vous n'êtes pas habitué à sortir les vrais pistolets. Quoi? Junior, je crois qu'ils connaissent pas Junior. Speedy, j'étais cool avec tout. C'est un petit poussin qui parle là, c'est ça? Ouais, c'est le petit poussin. Non, par contre, merci les gars, vous avez Conféré sur la véhicule banalisée et tout. C'est une stratégie qu'on essaie de mettre en place depuis un moment, et là, le fait qu'on arrive en plus à le faire avec vous, c'est top. C'était à un moment, en plus, on a eu un problème radio, on a commencé à suivre un autre véhicule. La radio, elle a déconné au moment. 1-06, on a suivi un autre véhicule. On a suivi un 4x4. Et après, la radio a fonctionné, vous avez dit, ils vont bientôt partir, on a fait demi-tour direct, et voilà quoi. Et en tout cas, on est désolé de ne pas avoir pu envoyer d'unité au plus tôt. Non, bon, on était dans une situation de merde. Je me suis fait foutre par terre, cracher dessus. Donc, Ah oui. Ouais, l'important, c'est surtout qu'il n'y ait pas eu de blessés. Voilà, c'est ça. Demandez-lui d'enlever son porte-d'honneur, celui-là. Qui? Là-bas. Ah. Bon, moi, ça va être une fête service pour moi, les gars.
Ouais, bah pareil soucis. Pour nous, hein, ça a été suffisamment chargé ce soir. C'est du beau boulot. Merci les gars. Parfaite. Pas de soucis. Merci, bonne soirée à vous. À bientôt. Allez, bonne soirée. Ouais, du coup. Bonne soirée, messieurs. Bonne soirée. Bonne soirée. Ouais, on passait un. Quand on n'a pas bonne fait grand chose ce bonne soir, on cherchait des gens. On passait, on a vu de la lumière, on est rentré. Donc, ouais, est-ce que ça allait être au Bénis ou pas? Bon, ils ont, ils les ont appelés de terre, ils sont pas venus, alors je pense pas qu'ils soient là, tu sais. Ouais, moi je crois ils sont là. Je sais que Monsieur Pat il laisse souvent longtemps. Puis on y fait vite faire un petit stop. J'arrive pas à rentrer. Ah c'est ouais. Bon. Ah, c'est... Non, moi ça veut pas. Vas-y déverrouille là. Ouais. C'est bon. Messieurs, bonsoir capitaine. Vous avez besoin de quelque chose ? Là, c'est non, bon, tout va bien, merci. Vos agents nous ont répondu déjà. Voilà. Ok, impeccable. Bah, bonne continuation alors. Ouais, attendez. Monsieur le capitaine, est-ce que vous pourriez dire au commandant de me répondre à mon email ? Vous avez cru que j'étais sa secrétaire ? Non, parce que j'en ai mal, là. Ça fait plusieurs semaines, voilà, limite plusieurs mois là, que j'essaie de le voir. Je vais lui en toucher un mot. Voilà, c'est gentil, monsieur le capitaine. Par contre, l'avenir, vous vous débrouillerez comme des grands. Il va falloir faire les vitres, les jantes, le moteur. En vous souhaitant une bonne soirée. Parce qu'à patine encore. Ouais, je pense qu'il croit qu'on fait des conneries là, quand il va prendre tout ce qu'il y a eu. C'est ça. C'est quoi que tu veux, c'est ton argent pour le truc de l'autre fois là. Ouais, le truc de l'avocat là. Ah ouais, bah. Et ouais, j'ai vu, il y a un nouveau avocat, c'est en ville. Je l'ai croisé tout à l'heure. Ouais, ça j'ai vu, mais tant mieux. Moi, je savais pas que là. Par contre, c'est un avocat non commis d'office. C'est-à-dire ouais, que... lui, il veut pas les trucs commis d'office. C'est ça, voilà. Et, du coup, c'est bon, des fois, à savoir. On devait pas aller au Bénis ? Bon, vas-y, on va rentrer. Enfin, c'est pas moi qui conduis, de toute façon. Par contre, 25. Faudrait que tu vois, du coup, avec ta dashcam. Ouais. Pour voir l'heure et la description des personnes et essayer de l'envoyer à la directrice ou ouais, à je sais pas qui, c'est ouais, même au gouvernement parce que ça c'est bizarre. Parce qu'il y a un problème quelque part, même eux ils le disent. Ouais, t'inquiète pas. Bon, après on a un nom, Vito, et après dans le véhicule il a dit Vino à Marley, mais je retiens les deux noms et surtout celui-là du premier, moi. Ouais, par contre, là, ils ont fait des trucs pas très bien aux Jotas, hein. Ouais, il a été versé de l'essence, je sais pas quoi. Ouais, ils l'ont... À un moment, ils ont posé la question, là, ils lui ont tiré à côté du genou. Ah oui. Et à un moment, là, ils l'ont mis dans la voiture. Ok. Enfin, les deux étaient dans la voiture, là, ils ont mis l'essence tout autour de la voiture, ils ont allumé le feu. Ah oui, putain. Puis après, ils l'ont aspergé d'essence, lui. En disant que s'il continue, il va le brûler, et on est arrivé à ce moment-là. Ah ouais... Et par contre, là, quand tu regardes le timeline là, de l'enlèvement, le temps qu'il se passe kidnapper et qu'ils arrivent là-bas, il s'est passé 5 minutes. Hein. Ah oui, quand même. Enfin, quand ils sont arrivés, nous, on est arrivés 5 minutes après. Ah ouais, bon, ça va, on arrive au bon moment, alors. C'est ça, donc ils n'ont pas eu le temps de trop poser les questions, des trucs comme ça. Et par contre, ouais, là, il va falloir convoquer la directeur et sous-directrice. Hein, pourquoi ils n'ont pas appelé, là ? Bah, clairement. Parce que c'est assez chelou. Soit ils ont pas vraiment vu, soit ils sont de mèche, ou soit ils s'en foutent. Ah ben c'est quand même des personnes, ils sont rentrés... Bah après là ils peuvent être amendés pour non-assistance à personne en danger. Hein. C'est ça, parce qu'ils sont, comme ils m'ont dit là, ils sont rentrés cagoulés, et ils avaient des armes dans les mains. Ah oui. Ok, bah faut refaire cette enquête. Hein. Faut qu'on essaie de gérer toute l'enquête. Ouais, mais par contre, là, le truc qu'il faut reconnaître, c'est que les trois là marchent bien ensemble. Hein. Ouais, bah, c'est sûr. Putain, j'étais tellement heureux de les avoir abattus. Enfin, qu'on les a abattus. J'ai dit, ça y est, on les a eus. Ouais, t'étais content de les tuer, toi ? Non, mais pas de ce genre-là, mais toi, on est content qu'on les a eus, tu vois. Ouais, t'es content de les avoir attrapés. Ouais, pour une fois qu'on arrive à choper des mecs qui font une prise d'otage. Bah, ouais. Et tu te dis, ITX ou je sais pas quoi est arrivé, tu vois. Ouais, parce que moi j'étais pas là dans la poche, je pourrais pas te dire, mais il faut vous vraiment préciser ça. Ouais, bon, t'inquiète. Toi, on a mis. Bah, la SPD, on a battu un. Après, je crois que c'est moi et 25, on a battu le deuxième. Ouais, j'ai entendu dans la radio. Ouais,
Et on l'a battu, il a direct disparu, tu vois, on va dire. Il était allé 2 secondes à terre et hop. UTX pareil. Après le deuxième, on a été le voir, il était là. Et 2 minutes après, pouf, le temps que je fasse l'appel, il a disparu, tu vois. Ouais, c'est bizarre. Tu vois, alors que tout à l'heure, il a attendu au moins plus de 20 minutes. Oui, c'est vraiment bizarre. C'est moi, je dis comme la directrice, hein, ils ont peut-être forcé, on va dire, l'hôpital à venir les chercher, tu vois. Pour éviter le pire, tu vois. Ouais, mais au pire, là, il y aura la pole, il y aura le. Ouais, bah ouais, c'est pour ça, 25, il faut qu'il envoie tout à la directrice de l'hôpital et même au gouvernement s'il faut. Envoie-le peut-être aussi dans notre channel BCSO, comme ça on a un exemplaire au cas où si on le perd. Ça, au moins, le chef il voit aussi ce qu'il y a eu. Tu l'envoies partout. Ah, par contre, là, il y a une DS, là, et je sais pas s'il faut le dire, mais j'ai pas réussi à la retirer. Ouais, c'est... Oh, ouais c'est... préviens quand même sur le central Discord qu'il y a eu un problème avec la HERS au niveau du Human Rights. Comme ça, ouais, tout le monde sera au courant. Ok, c'est match. Je vais juste remettre mon gilet et l'enlever pour voir. Bon, et ben messieurs, bonne fin de service à vous. Bonne ouais, nuit bah, à vous. Aussi, hein. Et puis, je vais avoir un rapport de 100 km à taper demain. Vous rentrez pas le véhicule? Oh si, j'ai oublié dans tout ça, vas-y. Ouais, allez vous coucher, 25. Hein. Ouais, merci. Ouais. Voilà. Ouais, j'ai vu, t'as voulu l'écraser. Ouais, bah ouais. Il fait mal son job des fois, le garagiste. Il nous donne pas de nouveaux véhicules. Alors, hop. Juste remettre vite fait mon. Ah, il va falloir que je repasse. Oh, peut-être une sieste, ça va aller. Oh, ça devrait aller avec une sieste. Bon, allez là. Dure soirée, mais on a réussi. Hein. Oh putain, mon 4x4 il est parti. Ouais, ici donc 4x4 il est parti la moto, moi. Ah bah, elle est partie aussi. Hein. Bon, bah, je vais me planquer dans un buisson, hein. Je vais dormir en bas ou sur la plage, tiens. Ouais, fais gaffe, hein. Ouais, il est cougar. Ouais, je donne pas tout le monde, hein. C'est clair. Pire, je vais dormir dans les chiottes du BCSO, des fois, c'est ce que je fais. Hein. Quand j'ai la flemme de partir. Ouais, c'est des conneries, ça. Ouais. Putain, ça fait chier quand même. Ouais, moi, là, ce qui m'énerve, là, en ce moment, là, c'est surtout le truc de 23. Bah, clairement, moi, hier, j'étais surpris de ouf. Hein. J'ai fait, ouais, t'as perdu ton. Bah, t'as oublié ton gilet ou quoi, tu vois. Il fait, non, il y a le chef, il m'a passé. Il a passé major. J'ai fait, je rentre à la maison, j'envoie le mail de suite au shérif adjoint. Non, mais t'inquiète, je vais même lui causer un petit mot parce que toi, t'es là depuis longtemps. Vu le taf que tu fais très bien. 23, bon, je l'ai pas trop vu, je sais pas ce qu'il fait, tu vois. Voilà. Et 25, il hésite sur tout. De quoi? Il hésite sur tout. Ah, bah, ça va. Mais à mon avis, là, c'est, je te dis, il est passé sous le bureau. Ouais, bah, c'est bizarre. C'est pour ça, clairement.